Bienvenue dans cette méditation, ce voyage intérieur. Et vous pouvez vous laisser fermer vos yeux si vous le souhaitez, ou garder vos paupières ouvertes, en sentant que vous êtes là pour vous, rien que pour vous. Et ma voix va vous accompagner, vous guider dans votre monde intérieur, pour que vous puissiez aller vous poser dans un espace de sécurité en vous, pour accueillir le meilleur pour la globalité de votre être et traverser ces zones d'ombre comme en plongeant dans une piscine pour se rafraîchir, se revigorer et ressortir ensuite réaligné, ressourcé, réhabilitant à l'intérieur de vous toutes vos aptitudes à être qui vous êtes, pour faire ce que vous avez à faire au quotidien, dans vos vies respectives. Alors vous vous laissez sentir votre corps ici et maintenant. Et quel que soit l'état physique de votre corps, considérez-le, si vous le voulez bien, comme un ami à cet instant. Car vous vivez avec 24 heures sur 24. 365 jours par an. Même les années bissextiles. Accueillez. Accueillez la présence de votre corps physique, avec ses frontières, ses limites avec le monde extérieur, votre peau. Votre corps qui fait ce qu'il peut, du mieux qu'il le peut. Tout ce qu'il a à faire pour vous maintenir en équilibre, en santé, en quiétude. Votre corps physique, au cœur duquel siège tous vos organes, les muscles, les fluides, les cellules, les chromosomes, l'ADN et tout ce qui constitue votre corps physique. Au-delà de tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, ressentez de la tendresse, si vous le voulez bien, pour votre corps physique. Ressentez, si vous le voulez bien, oui, pour votre corps physique, peut-être du respect. Tout comme vous avez envie qu'on vous respecte, qu'on vous aime, qu'on vous écoute, qu'on vous voit, qu'on vous touche. Offrez cela à votre corps physique. Pur miracle de la nature, de la vie. En sentant le souffle qui circule dans votre corps physique.
souffle qui circule en liberté. Accueillez, si vous le voulez bien, à la fois votre corps et votre souffle comme étant pour vous déjà des réponses. Réponse à la vie. Votre corps, votre souffle, déjà une réponse. Votre corps, c'est selon, d'une certaine manière, la volonté de votre âme qui a souhaité descendre s'incarner dans la matière, dans le physique, pour y faire des expériences de création. Détruire ce qui est à détruire, reconstruire avec plus d'amplitude ce qui est à construire, pour plus d'indépendance, d'originalité, de discernement, sur la terre, pour la terre, pour le genre humain, pour la vie sur terre. Et pour vivre incarné sur la terre, vous vous rappelez qu'il est nécessaire d'avoir un corps physique. D'avoir le souffle qui circule dans le corps physique. Le souffle qui est comme un vent léger. Un vent qui fait le ménage sur toutes les poussières énergétiques anciennes. Goûtez, goûtez à la respiration comme ce vent interne qui nettoie les scories anciennes, les énergies obsolètes, qui recycle tous les attachements anciens obsolètes. Goûtez à votre souffle, à ce vent interne, qui peut être peut-être comme un vent léger, une bise, une brise, un zéphyr, un mistral gagnant, un typhon, une tornade, ou tout autrement. Laissez le souffle en vous dénouer les attachements anciens obsolètes. Car si vous ne laissez pas la liberté au souffle de circuler, c'est comme si vous preniez la décision interne de vous bloquer intérieurement, de rester insatiable. Goûtez à la nourriture qu'est là votre souffle, à volonté, à satiété. Mangez, buvez. L'air est là partout, vous vient de l'extérieur, avec le prana, l'énergie vitale. Et cela circule en vous. Goûtez cela. Goûtez cela.
Sentez, vous êtes dans la matrice de l'air. Que vous soyez, oui, dans un lieu clos ou à ciel ouvert, l'air est là tout autour de vous, comme tout autour de la terre, à volonté, à satiété. Vous êtes tel un arbre. Imaginez, vous êtes tel un arbre. L'arbre de vie. La sève de vie circule en vous. Alors, osez imaginer que vous en êtes rendu à une saison qui s'appelle l'automne. En sachant que le cycle de la vie est là, toujours, encore. Et là, vous vous permettez de zoomer sur l'automne. Vous êtes arbre. Vos racines sont plongées dans la terre. L'air vous entoure. La lumière vous éclaire. Et vous savez que toute la production, la créativité qui a eu lieu en vous, au printemps, en été, avec toutes vos feuilles, les fruits, les fleurs, les fruits, et bien là, en cette saison de l'automne, grâce à l'énergie de l'air, grâce à l'énergie du vent, vous permettez que se détache simplement, simplement, les feuilles qui sont devenues comme obsolètes. Elles ont simplement fait leur temps. Elles ont simplement fait leur temps. En sachant, en sentant que le cycle de la vie est là, oui, il y aura l'hiver et oui, il y aura à nouveau un printemps et encore un été et encore un automne, etc., etc. À volonté, à satiété. Laissez aller les feuilles, vous, arbres, laissez tomber ce qui est à laisser tomber. Laissez faire le renouvellement. Tandis que la terre vous nourrit toujours, 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 toujours à satiété. L'air vous nourrit toujours à satiété, toujours, toujours, toujours. La lumière vous nourrit toujours à satiété, toujours, 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 encore tant que durera votre vie dans cette incarnation. Vous ne perdez rien, vous laissez juste faire la vie qui est pur amour, notamment pur amour pour vous. Oui,
pour vous qui êtes là, là. Envie. Bien sûr, vous êtes en vie, en deux mots. Bien sûr, vous avez des envies en un mot. Acceptez d'accueillir la douceur de la vie. Même s'il vous manque dans votre quotidien des êtres qui vibrent sur votre fréquence et vous sentez le vide, le manque à l'intérieur de vous, mangez les éléments de la nature, mangez l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre, du feu. Mangez cela à cet instant. Vous le saviez, enfant, que vous pouviez vous nourrir du subtil pour ne pas mourir de faim. Mais vous aviez oublié. Imaginez, sentez que vous mangez l'air à cet instant, vous le buvez, et puis l'eau, et puis le feu, la lumière, la terre, l'énergie, toutes ces énergies. Pour cesser de considérer le monde extérieur comme des ennemis, comme des intrus, comme des casse-pieds. Parce que l'air qui vous vient dans vos narines, dans chaque pore de la peau, vous vient de l'extérieur. Acceptez d'être biberonné par l'air, par la terre, par l'eau, le feu. Ne soyez plus peut-être autant ultra-protecteur vis-à-vis de vous-même. Oui, vous êtes déjà dans le discernement. Oui. Oui, vous garderez votre indépendance, votre vaillance, en continuant de manger l'élément de l'air, de l'eau, du feu, de la terre. Accueillez cela. Permettez-vous de faire l'expérience de cela, là, juste là, avec douceur, avec tendresse, avec respect.
Continuez, continuez, en sentant qu'à chaque expiration, vous lâchez prise. Oui, à l'inspire, vous vous nourrissez à satiété, en abondance, de tout ce à quoi vous voulez vous relationner grâce à l'énergie subtile. Et à l'expire, vous laissez tout votre être se nourrir à satiété. Et vous laissez aller ce qui n'a plus lieu d'être. Vous laissez aller ce qui n'a plus lieu d'être. Donnez le droit à votre enfant intérieur de se nourrir à satiété par tous ces ingrédients énergétiques. Oui, vous en êtes, nous en sommes tous dépendants de l'air, de l'eau, de la lumière, du feu, de la terre. Comme à un attachement créatif, fécond. Nourrissant, épanouissant. Et vous acceptez d'expirer. C'est-à-dire qu'à chaque expiration, vous acceptez de lâcher prise, comme les feuilles qui tombent d'un arbre en automne. Et vous restez nourri par la sève de la vie, par votre mère initiale, la vie elle-même. Et vous permettez ainsi à votre tyran intérieur, votre dictateur intérieur, votre gardien intérieur, qui fait de l'ultra bon boulot de vous garder en sécurité, de se mettre au service de la vie, des éléments de la nature, au service de l'amour que vous êtes en train de respirer et d'expirer. Inspirez les énergies de la vie par tous les pores de votre peau, par tous vos chakras,
par toutes vos cellules, jusqu'au cœur de l'ADN. Pour que toutes les failles intérieures se remplissent de prana, d'énergie vitale, se rassasient à volonté du meilleur pour vous, pour renforcer votre vaillance, votre puissance, pour savoir dire oui quand c'est oui, pour savoir dire non quand c'est non. Pour savoir dire oui à votre nom. Accueillez l'énergie de l'automne. Accueillez l'énergie du lâcher prise. Tandis que vous êtes toujours rempli, nourri, rassasié dans vos fondements initiaux, porteur de créativité, de création, d'indépendance, pour que l'humour à l'intérieur de vous remonte, laissant jaillir à nouveau les rires de l'enfant en vous. Que votre gardien intérieur puisse se mettre au service de l'humour en vous, du rire en vous, du rire de l'enfant en vous. Gardien du rire de l'enfant en vous. Gardien de la liberté de l'enfant en vous. Gardien du potentiel créateur de l'enfant en vous. Lui qui s'était, avec dextérité, protégé du monde extérieur. Vous avez protégé du monde extérieur. Car rappelez-vous
que regarder un objet, une œuvre d'art dans un musée est nourrissant. Contempler des couleurs avec leur taux vibratoire est nourrissant, rassasiant. Tout est nourriture. Et en redonnant nouvelle mission à votre mentor intérieur, votre gardien intérieur, qui se comportait peut-être comme un tyran intérieur, exerçant sa mission avec trop d'énergie, trop d'efficacité peut-être, oui, vous lui redonnez comme un autre ordre du jour en cette nouvelle saison que vous acceptez intérieurement, l'automne. Vous ne perdez rien. Vous laissez juste se transformer, se transmuter. Ce qui est à se laisser transformer, transmuter. Il n'y a pas de beau temps et de mauvais temps. Il n'y a que du temps, des climats, utiles et nécessaires à la créativité de la terre pour qu'elle crée en son temps, en son heure. Accueillez les saisons intérieures. Tout comme chaque âge de la vie est cycle. Saison, saison de vie. L'enfance, une saison de vie. L'adolescence, une saison de vie, etc. Accueillez les saisons. Laissez-vous vous en nourrir pleinement et laissez-les se transmuter. Vous ne faites que croître en toute indépendance dans le grand cycle de la vie, dans le grand livre de la vie, avec votre équation personnelle, avec votre originalité. Pour permettre aussi à la vie de vous offrir de nouvelles sources de création, d'inspiration, d'amour, d'amour, d'amour.
accueillez ces parts en vous, oui, qui peuvent être telles des tyrans, des censeurs. Offrez-leur comme un nouveau rôle, plus comme un bodyguard qui veut aider à réveiller, révéler l'artiste en vous, pour que s'épanouisse votre créativité, l'énergie amour en vous, l'énergie joie, dans la quiétude, pour recréer de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats intérieurs et extérieurs, sur la fréquence qui est importante pour vous à cette étape de votre vie. Osez accepter votre croissance, votre propre évolution, intime, personnelle, émotionnelle, spirituelle. Intellectuelle. Accueillez la faim, F-A-I-M, en vous. Peut-être est-ce la faim d'amour. Vous avez faim d'amour, de douceur, de quiétude, d'inspiration créatrice, de tendresse, de respect, de fermeté douce. Accueillez cela. La vie est là, le restaurant de la vie est là, tout autour de vous. Alors mangez à cet instant, à chaque inspiration. Mangez, buvez. Ceci est la vie qui vous est destinée. L'essence initiale pour faire tourner vos rouages intérieurs à plein régime. Pour que s'allège votre poids, votre corps, tous les poids qui sont comme des haltères anciennes, pof, disparaissent comme des ballons qui s'envolent dans l'univers. Pour que vous soyez montgolfière, dans la densité. Et la légèreté, à la fois, reliée à la terre, aux éléments de la nature, goûtant à satiété, la vie, à cette saison de votre vie. Vous partez de ce palier-là,
Vous en êtes là, cette saison de votre vie. En vie. Avec vos envies respectives, certes, vos désirs légitimes, issus de votre cœur, de votre âme. Respirez. Accueillez. Goûtez. Pour le meilleur de la globalité de votre être et de votre vie à cet instant. Accueillez, accueillez encore, voilà. Accueillez la richesse de la vie pour vous. Oui, la vie est un aliment riche et qui ne fait pas grossir, non point. Mangez à satiété l'énergie vie. Oui, devenez goulu. Gourmand, gourmande, gourmet, fin gourmet. Voilà, devenez fin gourmet à cette saison de la vie. Pour la vie qui s'offre à vous, qui veut vous offrir un renouvellement salutaire pour votre croissance, votre équilibre, pour que votre créativité puisse s'exprimer autrement, autre part, ici sur la terre, entouré de nouveautés. Simplement, simplement.
Et vous respirez, vous accueillez. En sentant que tout ce qui devait être fait aujourd'hui a été fait de façon consciente et inconsciente, pour vous aider à être de plus en plus dans votre équilibre, dans votre unité, pour vivre les jours, les saisons qui vont venir avec plus de ressources en vous, directement et automatiquement disponibles désormais. Alors doucement, vous savez que vous allez vous réorienter vers ici et maintenant, dans ce lieu qui est là tout autour de vous, que vous retrouvez avec votre regard intérieur. Et vous retrouvez votre véhicule, votre temple, votre corps, qui est là, vivant, au cœur de ce temple, qui est le lieu autour de vous, dans cette grande cathédrale à ciel ouvert, qui est le ciel, la vie sur terre. Et quand vous le voulez, vous allez prendre plusieurs grandes inspirations et laisser votre corps bouger, s'étirer, bâiller, saliver. Et les yeux s'ouvriront en dernier, les paupières se relèveront en dernier, là. Quand vous vous sentez bien, là. Et toute cette énergie va continuer de s'alchimiser en vous, dans les heures, les jours qui vont venir, pour votre plus haut bien-être et pour le plus grand bien-être du plus grand nombre, et de la Terre elle-même. Et de la terre elle-même.